Bonjour et bienvenue au programme de renforcement des capacités dans le domaine de la modélisation en macroéconomie pour le développement durable en Afrique. Je m'appelle professeur Sylvain Bocor. Pendant longtemps, j'étais professeur d'économie à l'Université de Wake Forest aux États-Unis et professeur Fulbright à l'Université de Makerere en Ouganda. Depuis lors, j'ai rejoint les Nations Unies, et particulièrement la Commission économique pour l'Afrique, où j'ai exercé pendant 5 ans à renforcer les capacités des gouvernements africains. Aujourd'hui, je m'exerce donc à conseiller les institutions et aussi à renforcer les capacités des mêmes gouvernements dans le domaine de la planification et de la gestion du développement. Ce cours sur la modélisation macroéconomique est une activité majeure, mais pas la seule activité, c'est quand même une activité majeure du nouveau réseau des jeunes économistes qui a été mis sur pied par la CEA. En anglais, nous avons intitulé cela Young Economist Network, le YEN. Le programme, le réseau des jeunes économistes a été conçu sur la base de l'observation du manque ou en tout cas de l'insuffisance des talents et des compétences sur le continent en modélisation macroéconomique qui doit sous-tendre les prises de décision, qui doit supporter, soutenir normalement le processus de la planification dans nos pays. C'est donc pour répondre à ce manque, à cette insuffisance de compétences dans ce domaine que la CEA a trouvé nécessaire d'établir ce réseau pour pouvoir aider donc les gouvernements à travers la mise à niveau, à travers le renforcement des capacités, n'est-ce pas, des participants de ce réseau. Et ce que nous attendons à la fin, c'est de pouvoir établir un réservoir de compétences et de talents de haut niveau dans le domaine de la modélisation macroéconomique. Pour ce faire, des chercheurs de haut niveau africains, des professeurs de haut niveau africains qui sont prêts à partager leur expérience et leurs compétences avec les participants. Moi-même, puisqu'il y a plusieurs modules, je vais m'occuper des 2 premiers modules. Le premier module va s'attarder un peu sur la un peu plus poussée des notions et concepts de base de la macroéconomie. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le flux circulaire des revenus? Comment est-ce que nous pouvons appliquer cela au contexte donc des pays africains? Par exemple, qu'est-ce que c'est que le modèle solo? Et ça, c'est un modèle traditionnel, néoclassique, qui, pendant longtemps, a été utilisé dans les domaines académiques et aussi dans les domaines publics pour pouvoir modéliser, n'est-ce pas, le cours des variables macroéconomiques et des économies. Nous avons le modèle, par exemple, ISLM, qui
examine un peu comment est-ce que la politique de développement, les politiques, les prises de décision du gouvernement peuvent influer sur, disons, par exemple, la croissance économique, le taux d'intérêt, les prix, etc., etc. Le second module que je vais présenter va s'attarder sur les concepts économétriques appliqués à la macroéconomie. Donc, par exemple, nous allons étudier très rapidement, disons, une mise à niveau des méthodes de régression économétrique et voir comment est-ce que nous pouvons appliquer cela aux séries temporelles, par exemple, les modèles de vecteurs auto-régression, par exemple, etc. Donc, ce sont des modèles macroéconométriques qui sont importants pour l'analyste à pouvoir non seulement modéliser et estimer, mais aussi faire des projections, n'est-ce pas, sur les variables principales macroéconomiques du pays. En plus des modules que je vais moi-même présenter, nous avons trois autres professeurs, par exemple le professeur Adeni Tindjou, qui, lui, va présenter les modèles d'équilibre général calculable, n'est-ce pas, pour voir l'ensemble des secteurs d'un pays, comment les agencer, n'est-ce pas, pour pouvoir faire une analyse, n'est-ce pas, d'ensemble, une analyse qui pourra donner aux décideurs, n'est-ce pas, des réponses qui pourraient venir de chaque secteur de l'économie, n'est-ce pas, croisé, de façon croisée. Et c'est ça, donc, les modèles d'équilibre général calculable, aussi bien que les modèles de dynamique stochastique appliqués donc aussi au domaine de l'équilibre général. Le professeur Radouane va nous présenter des modèles beaucoup plus pratiques qui sont utilisés par les institutions internationales aussi bien que les gouvernements appliqués donc au contexte des pays en voie de développement, évidemment au contexte de l'Afrique. Et le docteur Souleymane Diakité, lui, va s'occuper donc des modèles de systèmes dynamiques avec une application sur les contextes des pays africains. Nous avons aussi la recherche et le volet de recherche et de publication. Nous allons donc nous attendre à ce que les participants puissent écrire, n'est-ce pas, des articles qui sont issus des processus de recherche, qui sont de qualité à être publiés, n'est-ce pas, dans les revues et autres à travers le continent. Nous allons donc vous demander de bien vouloir vous enregistrer sur la plateforme de ce programme et pouvoir communiquer. Et si vous avez des questions, si vous avez, n'est-ce pas, quels que soient les commentaires, les réactions, les questions que vous aurez, et il y a, chaque professeur a un assistant qui lui-même, chaque assistant est aussi un docteur, un PhD en économie, et qui pourra assister directement les apprenants. Et bien sûr, chaque professeur se tient prêt à, n'est-ce pas, renforcer donc cette assistance donnée aux apprenants aussi. Et une dernière chose, pour chaque module, il y aura des questions, n'est-ce pas, des interrogations qui seront posées et qui seront
disponible sur le site. Nous vous demandons de vous exercer avec ces questions, en anglais qu'on appelle quiz, pour pouvoir tester vous-même, n'est-ce pas, le niveau d'acquisition de connaissances, de compétences que vous auriez reçues, n'est-ce pas, à travers donc, ce programme de renforcement de capacité. Alors, donc, c'est un voyage, n'est-ce pas, que nous allons entamer et je vous exhorte à vous exercer, à vous concentrer pour que nous puissions effectivement créer ce réseau de compétences, de connaissances pour pouvoir supporter les prises de décision, les politiques de développement économique sur notre continent. Je vous remercie.